Monsieur le ministre, chers amis, face à la digitalisation de la société, il me semble que la puissance publique que vous incarnez, mais les collectivités locales font aussi partie de cette puissance publique. Cette puissance publique, elle a deux missions. D'abord, au niveau des infrastructures et des outils, ça vient d'être rappelé, et nous essayons les uns et les autres de faire ce que nous pouvons, mais aussi l'ambition et la mission d'embarquer tout le monde sur les usages. Et je m'associe volontiers à ce qu'a dit le sénateur Anziani tout à l'heure. C'est vrai qu'Internet est une manière de toucher de nouveaux publics qu'on aurait peut-être un peu de mal à toucher. Et moi, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, je veux retenir un mot, celui que Jacques Lévy a prononcé tout à l'heure, qui est celui de co-construction. Je le dis devant Madame Durand-Tornard, qui a eu l'amitié de venir nous accompagner sur la démarche prospective Agen 2030 que nous avons lancée. Je crois qu'Internet est un outil qui peut faciliter la co-construction entre les représentants de la démocratie représentative et puis toutes les autres formes de public dont on a bien compris aujourd'hui qu'il faut aujourd'hui les associer aux décisions qui nous concernent. Voilà ce que je voulais dire sans rajouter. Merci au label Internet pour ce 11e label en ce qui concerne Agen.